Let's go get them horses watered. Dus het geval van medisch begeleide bevruchting. En zou dat bij mij die bevruchting ook dus verschillende zaak ruhig dat zich met daarna psycholoog. Valt mij niet zwaar omdat de dood mijn pijn zal stillen. Maar hem, mijn minnaar, wens ik een langer leven toe. Ervoor strak. Ernest was probably the lousiest landing in the history of this airport. Some of us here, particularly. Well, and now we're in the process now of clearing away. Green Hat Cooler North, the engine room of the nation. Potrei abituarmi, ci. Credi sia tardi per cambiare vita? Pensa che scena faremmo in Florida. Che classe. No. J'aime les Belges, moi. D'abord, je suis belge. Je suis belge et je passe finalement, depuis 20 ans que j'écris des choses qui ne sont absolument pas congestionnantes d'intérêt, mais qui existent, depuis 20 ans, je parle, en tout cas, si pas de la Belgique, je parle des Belges, ou de la Flandre, ou du machin. J'en parle. Et j'en parle avec l'accent, pourquoi pas. Et j'en parle de manière précise, comme le plat pays ou comme d'autres histoires, enfin, peu importe. Et il y a des gens qui refusent un peu cette condition de Belgique. Et c'est un peu désolant. Mais alors, je crois qu'il faut assumer sa condition ou la modifier, mais la modifier vraiment, voilà. C'est pour ça qu'il y a une série de gras, à mon avis, qui jouent à ne pas être belge. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais enfin, monsieur Brel, plus personne ne parle avec la chambre chez moi. Pourquoi vous vous moquez comme ça tout le temps de nous » Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et moi, ça me paraît charmant, cet accent-là. Seulement, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je trouve, moi, que c'est un truc charmant. Enfin, je ne comprends pas bien. À un moment donné, j'avais écrit les bonbons avec l'accent bruxellois. Et y a des gens ici qui ont cru que je me moquais de l'accent bruxellois. Pas du tout. J'ai employé l'accent. Parce qu'il existe, bon sang, ça existe. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une vue de l'esprit. Et je trouve qu'il y a une saveur, il y a le terroir. Pourquoi vouloir obligatoirement jouer à avoir ou l'accent? Moi j'ai l'accent pointu, comme on dit maintenant. Ça fait 20 ans que je vis en France, c'est une chose logique. Bon, mais pourquoi faut-il avoir ou l'accent de Londres à Bruxelles ou l'accent de je sais pas quoi? Non. Comment ça va? Ah, mais bonsoir. Salut Noël, salut Yann. Salut Kéry. Ça va? Alors, mais je suis très heureux de te connaître. J'ai vu la vie sexuelle des Belges. C'est un grand moment. Et tu fais la vie des Belges 2, là? Oui, Camping Cosmos. Oui. Ah ouais. C'est beaucoup plus gratiné que la première. Ah bon. La sexualité des Belges de camping. Ah bon. Qu'est-ce que tu buvais, Léa? Alors là, c'est de la scotch au tonneau. Elle est bien, il y a aussi de la lèvre au tonneau. La lèvre au tonneau. Les belles bières artisanales explosives, on ne les trouve pas ici. Il y a quand même la Duvel, ouais. La boisson de prédilection de Benoît Poulevard, qui est arrivé près de chez vous. Ah, je l'adore. C'est diable en irlandais, Duvel. Ah, je l'adore. Là, je te la recommande, oui. Il est où le garçon, là? Là. Vous pouvez appeler le tenancier. On va appeler le tenancier, oui. Thierry voudrait s'initier à la Duvel. Comment tu dis, la Duvel? La Duvel. Oh. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir de la Duvel? La Duvel, il n'y a pas de Duvel. Alors de la lèvre au tonneau. Ouais, la lèvre, ouais. La lèvre au tonneau, d'accord.
Voilà l'arrivée de Batman. Qui c'est celui-là? On dirait que c'est Batman. Dis-moi, c'est le dernier que t'as entarté, c'est qui là? C'était... Alors le tout dernier, ça s'est passé à Cannes. Yann faisait partie de l'opération. C'est le Daniel Toscan du Plantier. Ah, parfait. Qui pour nous représente vraiment la production cinématographique dans toute son horreur, dans toute sa prétention. Je t'y connais, tout ce côté Mathieu Vipetsek. Et nous ne voulions que lui à Cannes. C'était depuis le départ. Nous voulions absolument Toscan du Plantier. Et vous l'avez eu? Alors, nous l'attendions en fait. Ouais. On avait appris par des traîtres dans son entourage, parce que depuis quelque temps, c'est toujours des traîtres dans l'entourage de la victime qui nous renseigne. Ouais. On avait appris qu'il devait déjeuner au Majestic. On l'attend, on est une vingtaine avec des équipes photos, caméras. Il ne vient pas suite à des troubles de stomac où il se décommande. Dès lors, on organise une véritable chasse à courre au Toscan. Et on déambule à travers Cannes avec nos équipes. On veut Toscan, on l'aura. On apprend le gibier localisé dans le palais des festivals au niveau 4. Il est au salon des ambassadeurs, nous montons. Petit à petit, les troupes grossissaient. On s'est retrouvé une quarantaine. On entendait « Ils volent Toscan, allons les aider ». Et au moment où on monte, Toscan du Plantier, lui, il descend. Il va nous échapper. Il s'engage sur un escalator mécanique. Je m'élance à sa poursuite, tarte à la main. Au moment où je comptais l'entarter en dessous de l'escalator mécanique, mais un garde-corps m'attrape, me ceinture. Je me dégage souplement. Je suis déséquilibré. Je bascule dans le vide. Je tombe droit sur Toscan du Plantier, au milieu de l'escalator, et nous roulons jusqu'en bas des marches, enroulés tendrement l'un à l'autre. Pendant la roulade, je l'entarte. En bas des marches, je me relève et je m'écris « Entartons, entartons les pontifiants croutons !» Sur ce... C'est la lèvre autonome, ça ? Génial, génial. Yann, qui était là pour, uniquement pour s'occuper de notre protection, merci, arrive à son tour et l'entarte aussi. Poum, il en prend une seconde. Et une jeune flibustière lui en réserve une troisième. Il en avait partout. Il est maximiste, hein. Total. Et l'imbécile, au lieu d'aller... ce qui était consternant, c'est qu'au lieu d'aller se débarbouiller aux toilettes, il se dirigeait, totalement inondé de chantilly, vers la lumière de la croisette. Il est apparu là, alors, naturellement, sous les flashs, et une grosse partie de la foule a applaudi. Les Belges sont là. Et tout ce blasi, tu l'as fait aussi, non? Depuis qu'on s'est vu. C'était depuis qu'on s'est absolument vu. L'année précédente. Ouais. Et en fait, comme j'avais été arraisonné par les services d'ordre, c'est Yann Bucquois qui s'en est occupé avec une jeune flibustière. Ça a marché aussi? Oui, oui, mais bon, tabassé par les gardes du corps, deux procès gagnés contre l'État français. Ah bon, parce que... Maintenant, on peut entarter les ministres Blasi, français. Douze de Blasi vous a attaqué. Il a porté plainte. Et en fait, la justice vous a donné raison, c'est ça? Deux fois, puisqu'ils ont... On a le droit d'entarter. Maintenant, on peut entarter les ministres impunément. C'est génial, c'est bon à savoir. Hein. Pas mal. Mais j'ai aussi expliqué que finalement, l'entartage était une vieille tradition belge depuis l'Inquisition. Donc même depuis Max Sennett. non, plus loin. Duc d'Albe, tout ça. Donc, Eulenspiegel en Belgique. Bruegel, tarte chez Bruegel, c'est bien connu. Et qu'en fait, c'est un honneur de recevoir une tarte, évidemment. Et t'as fait PPDA aussi, j'ai vu alors, dans le journal. Alors, oui. Ça faisait longtemps que tu voulais l'avoir, PPDA. Oui, mais justement... Ça faisait un moment que t'en parlais. Un de nos principes, c'est d'attendre que les victimes soient vraiment en position de force. Ce qui fait que très patiemment, on a rangé notre frein. Et on a attendu que PPDA revienne au JT. Voilà, ouais. Tout à fait. Qu'on était bien sûr, on le suivait depuis quelques jours, des mystérieux motocyclistes de suivre dans ses moindres faits et gestes, portables. Non, eh bien, où sont les jeunes filles pour nous lécher? Où sont les jeunes filles pour nous lécher? Mademoiselle, Karine, voulez-vous venir nous lécher voluptueusement? Karine, viens nous lécher. Karine, viens. Viens, c'est lécher, un... Voilà. Et tout de suite, les jeunes filles nous lèchent. Hop. Ouais. Mademoiselle Karine, voulez-vous
aussi me lécher aimablement. Mmh. Oh là là. C'est pas, hey, c'est pas de tourpeau avec vous. Voilà des avantages sphériques de ce genre d'agression tout à fait bonhomme et inévitable. On est léché lyriquement. Ensuite, nous avons nos lécheuses de service. Et Bucquois, c'est ton copain depuis longtemps, alors, non? De où, Bucquois, tout quelques, ça, depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, on ne s'est quasiment plus quittés. Lui, c'est un vrai révolutionnaire, Yann. Hein. C'est un méchant, lui. C'est un... Mais c'est le mot peut paraître ridicule, mais moi, j'aime beaucoup ce mot. Ouais. Comme le mot 68-heures peut paraître ridicule, c'est un vrai, disons, agitateur de choc sur qui on peut compter. Il y a un truc qui est très marrant, Yann, c'est qu'en France, si tu veux... Moi, je suis royaliste. C'est très subversif d'être royaliste en France. Bah oui. Et en Belgique, c'est le contraire. C'est décapité. C'est décapité Baudouin qui est subversif. Et c'est anarchiste, Yann. C'est un mot qui est très manipulé, donc je ne sais pas. Donc c'est toi qui le dis. Mais moi, je crois que je suis pour la vie. Très chouette, oui. Oui, c'est. Mais enfin, disons, moi, je suis pour la vie, une transformation complète et globale. Et c'est sûr que ce n'est ni les élections. Bon, si les élections, c'est pour les Français, pouvaient changer la société, en tant qu'elles seraient interdites. Ouais. Je suis d'accord avec moi. Donc, c'est en prenant les armes, en égorgeant tous les bourgeois et en prenant leur place qu'on changera le monde. Mais avec les théories, les bouquins et sur l'anarchie ou autre chose, on ne changera jamais rien. Les bibliothèques sont pleines de grandes idées. Ouais. Donc un jour, donc moi, je fais un appel à l'insurrection, bien sûr. Et pour moi, c'est en 2005. Le 21 mai, donc j'appellerai le beau peuple de Bruxelles de me suivre, avec mon tank Sherman qui se trouve au musée de l'armée ici en Belgique et qui est prêt à fonctionner, qui est un modèle assez, rare. Ce sera un putsch anarchiste. Pas créé dans les sous-sols, Trotsky, machin, non. Vraiment annoncé pendant des années et donc vraiment le 21 mai j'attends tous les Bruxellois et peut-être même les Parisiens. Ça s'explique comment que la transgression soit réfugiée en Belgique? Bon, peut-être parce que nous n'avons pas une image de notre identité globale. Celui un Français, c'est un Français, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de prétentieux. C'est tous les soirs comme ça? Je sais pas, c'est pas vraiment... Peut-être un petit événement prévu maintenant. Bravo, hein, bravo les mecs. On avait commandé 100 000 tartes. Non, c'est lumière. Un spectacle son et lumière, ça c'est marrant. C'est peut-être la vie de Baudouin et Fabiola en son et lumière, on sait pas. Hein. C'est magnifique. Hein. Et le nouveau rien n'amuse les Belges. Hein, comment il est le nouveau roi alors? Bon, c'est pas un roi, bien sûr, puisqu'il tremble et il roule en moto. Donc, c'est Baudouin. Baudouin, c'était le dernier roi, puisqu'il avait 40 ans de. Bon, il baisait pas, on pouvait pas l'imaginer baiser. Et donc, c'était une espèce de saint. D'ailleurs, je compte bientôt déterrer son cadavre pour vendre les reliques. Et qu'est-ce, quand tu l'avais décapité, son buste, ça avait été dur pour toi, non? Ça avait été dur, puisqu'en fait, les rois sont des images. Enfin, je vais essayer de t'apprendre quelque chose. Bien sûr. En fait, c'est des icônes, c'est des images dans lesquelles on peut projeter tous nos désirs, tous nos appels au Père, au Père éternel, si tu veux. Et dès qu'on abîme l'image, c'est comme si on abîmait, bien sûr, le roi, puisque le roi est devenu une image. Donc c'est le sacré, c'est le vrai pouvoir, évidemment. Et c'est un pouvoir sacré. Tu as été en prison? Une nuit seulement, puisque, disons que moi, j'emploie l'art comme une espèce de conceptualisation de la révolution, de l'attaque. Donc ce que je fais, c'est, par exemple, quand je vais attaquer avec mon tank, c'est un concept, un Sherman. Donc depuis longtemps, j'expose des petits Sherman. Donc si tu veux, puis bon, il y a aussi l'introduction de l'humour, continuellement, puisque, comme dit Lacan, l'humour annihile le surmoi, qui est le censeur. Sans un télo, c'est bien. Non, mais pour revenir à la Belgique, je crois qu'on n'a pas cette prétention des Allemands, des Anglais. Ouais. Donc on a une espèce d'identité qui est quand même fissurée, qui est pas... Donc on peut se moquer de nous-mêmes, et je crois que c'est notre force, finalement. Ouais.
Bonjour. Mon nom, moi, c'est Batman. Comment, Batman? Mon nom, moi, c'est Batman ici, hein. Je suis occupé à calculer le centre de la Grand Place. Parce qu'on m'a dit que la Grand Place est au centre de la Belgique. Alors je calcule, comme ça je sais que je suis au centre de la Belgique. Voilà, c'est... Bah, nom de Joss, mais je vous reconnais, vous? Nom de Joss, allez, on m'en fait pas, hein. Vous êtes le monsieur... Oui, c'est ça. Vous êtes le monsieur qui fait présentateur dans la télévision en France. C'est ça, hein. Nom de Joss, on m'en fait pas, moi, vous savez. Pas bête, ma tête, hein. Oh, ben ça, alors. S'ils avaient su qu'un jour, je verrais monsieur de Chavannes. Nom de Joss. Quand je lui racontais ça à Arlette... Arlette, c'est celle qui aime bien mon bête gadget. Non, et toi, t'es Batman, alors? Pardon, monsieur? T'es Batman? Batman, mon nom, c'est Batman. Et qu'est-ce que tu fais comme mission, alors? Oh là là, moi, je fais plein de choses, hein, plein de choses. Mais aujourd'hui, justement, vous êtes là pour faire touriste, ou vous êtes là pour le cinéma? Pour faire touriste. Parce que si vous voulez, hein, moi, je peux un peu vous promener ici dans Bruxelles, hein. Et vous savez même pas quoi, monsieur? Quand vous êtes quand même assez connu et que c'est quand même dangereux pour vous, hein, je peux même être pour vous garde du corps. Ah bon? Bodyguard, comme on dit maintenant. Ah, tu fais bodyguard. Et quand on parle de corps, hein, le rainbow du cholestérol ici, hein. Combien tu prends pour faire garde du corps? Oh, mais quand même, comme vous êtes quand même quelqu'un de très connu, vous, monsieur Drucker, allez, une pinch, une bonne petite bière bien moussante. Ouais. Ça vous va, ça? Ouais. Mais quand on parle de tourisme, vous connaissez le Mannequin Pis? Oui. Vous connaissez le Mannequin Pis? Oui. Parce que sinon, je vais vous le c'est montrer, où, hein. Mannequin Pis? Parce que, venez. Parce que vous savez même pas quoi? Ouais. J'ai appris, hein. On dit, que dans le bassin d'eau, hein, du Mannequin Pis, il pousse des écrevisses. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai ici mon petit matériel et on va aller bêcher. OK? Venez. C'est pas loin, hein, c'est un petit jet de pipi. Mais dis-moi, Batman, qu'est-ce que tu fais comme mission? Est-ce que tu ramasses des crottes de chien? Ah oui, ça m'arrive de temps en temps, mais ça, c'est le plus cher, hein. 33 francs, hein. Plus les primes de risque, bien sûr, hein. Et alors, ce que je fais beaucoup, par exemple, je vais surveiller les machines dans les lavomatiques. Ah ouais. Voir si elles tournent bien, s'il faut bien mettre sur une lampe de gris, tout ça. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est raconter la suite des feuilletons ratés. Ah oui. Ben ça, c'est difficile aussi parce que parfois ça tombe à l'heure de ma sieste. Alors je m'en suis un petit peu plus cher. Ou alors je vais décrocher les chats minous dans les corniches des petites mémés. Problème. Tu veux chercher les chats sur les toits? Ah ouais. Mais le problème, c'est qu'après, c'est moi qui ose plus descendre. Ah ouais. Non, les Joss. Ouais, c'est utile, finalement. C'est pas de tout repos, hein, la vie de super-héros. La vie de super-héros. Oh, tiens, tant qu'on est là. Ouais. Ça ici. Sinterklaas. Non. Sinterklaas. Vous savez qui c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, déjà. Ah non? Il y a la vie. Oh, je vais faire une petite baisse. Allez, on fait ça ensemble. Allez ici. On peut se donner une baisse aussi, hein? On peut, hein? Une baisse? Non? Oh. Eh bien, je vais vous dire, hein? Monsieur de la rue, ça en fait, ça porte bonheur quand on touche ici. Alors vous voyez, en fait, faut faire un vœu. Et alors on voit qu'il y a des petits futés qui ne s'en sont pas restés que aux bras. Ouais. Ils ont été touchés un petit peu. Ouais. Il y a des petits vicieux, hein. Et alors ici, le petit chien aussi, vous avez vu? Ah oui, le petit chien aussi. Il y a des endroits comme ça, hein. Et à mon avis, celui-là, il était grand, hein. Oh là là, de chance. Allez, hein, Mannequin Pis nous attend. Oui, bien sûr, madame. Je suis désolé, hein, mais en fait, il y a ma bête mobile qui est tombée en panne juste là-bas un peu plus loin. C'est pour ça, sinon on aurait été en voiture. D'ailleurs, moi, j'ai dormi ici, en métro. Non, de Joss, il était bondé, le métro, hein. Moi, je supporte pas, hein. Je suis tellement claustrophobe, hein, que parfois, hein, je ne supporte même pas mes lunettes. Non, de Joss. Alors, je dis, faire le reste à pied. En fait, hein, ma bête mobile, il y avait le joint de culasse qui était coincé dans les essuie-glaces. Ça, hein, c'est encore un coup de boudinex. Non. Allez, passez seulement. Merci, Batman. Allez. Merci. Allez, on y va.
crois qu'on marche un petit peu, je vous expliquer. Pour les écrevisses, j'ai trouvé un truc pour les pêcher. Regardez, ma canne à pêche, un fil et une pince à linge. Alors, je vais jeter la pince à linge dans l'eau. Les écrevisses, elles vont venir, elles vont dire, nom de Joss, ça doit être un cousin éloigné. On va aller lui serrer la pince. Ils vont s'approcher et à ce moment-là, grâce à une petite puce magique, et hop là. C'est génial. Vous voyez aussi que je suis pas très méchant. J'ai mis un petit peu de caoutchouc pour leur faire trop mal. Hein, on va pas être vache, on va déjà les bouffer. Top boulot. On a un typique de souvenirs. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Ah, c'est magnifique. Des mannequin pieces. Des mannequin pieces. En fait, hein, avec la chanson Le Zizi de Pierre Perret, le mannequin piece est le zizi le plus célèbre au monde. Il est photographié des milliers de fois par jour par des Japonais, par des Chinois, des Russes, des Américains. Dans le monde entier, on le connaît. Je vous le montre. Vous n'êtes pas déçu parce qu'on s'attend souvent à voir un grand. Ouais, il est où? Un grand mannequin piece. Voilà. Oh, il est tout petit. Il est pas très... Qu'est-ce qui est petit? Le zizi du mannequin. Ah oui, oui. Voilà. Oh. Qui c'est qui a foutu cette foutue barrière et sinon des gens commencent comme moi j'ai pêché ici. Oh là. On va y aller. Hein. Vas-y, Batman. C'était il y a des siècles, hein. Quand Bruxelles était sous l'invasion espagnole, il y avait des espèces de terroristes, parce qu'il y en avait déjà à l'époque, hein. Il y avait un espèce de terroriste qui avait mis une bombe en dessous de l'hôtel de ville de Bruxelles. Et alors, ce jour-là, justement, un petit gamin, un mannequin, comme on dit ici, hein, était sorti en cachette de la maison. Et quand il avait la bombe, vous savez pas ce qu'il a fait? Il a pissé dessus. Voilà, il a fait son petit pipi sur la mèche. Ça date de ça. Voilà. Et alors, quand les parents qui cherchaient le gosse sont arrivés, ils ont dit, là, mannequin, pisse. Et voilà. Voilà, voilà, attends un instant. Oh là là, oh là là. Je sens un peu de silence, le taxi. Oh là là, je sens mon téléphone vibrant qui résonne dans mes hanches. Oh là là, oh là là. Oh, ça doit être un appel prioritaire, ça. Oh, le gosse, ce fil, ça sent bien le ficotte. Oh. Nom de Joss, je sens que je vais encore m'énerver moi ici. Nom de Joss. Bête mon écoute. Quoi? Nom de Joss, j'arrive de suite, mademoiselle. C'est lui qui vend. Il paraît qu'il y a un vieux sortir qui la séquestre dans la cabine téléphonique de l'avenue des Bablutes. J'accours tout de suite. Ça, c'est de nouveau un coup de Bodinax, hein. Nom de Jones, j'y vais tout de suite, hein. Ça va alors?
Je suis bien et toi aussi. Tu te souviens de moi? Je me sens bien et toi? Ça va très bien. Tu penses des fois quand t'étais teenager à Ostende, que t'écoutais les Kings, que t'écoutais les Who, les Small Faces, et il y avait les Mods et tout ça, tu... Ce sont mes racines, oui. Tu regrettes ça? Ce sont mes racines parce que maintenant on vit dans une autre époque, parce que je parle maintenant des années 60, on n'a pas la télé. T'es né en 49, toi? Comment tu sais ça? Moi je suis né en 49 aussi. Et moi j'étais très intéressé en mai 49, toi. Moi je suis né en janvier 49. Et notre époque, quand on avait 16 ans, c'était la grande c'est pour époque. Ça qu'on se comprend. C'était l'époque des Kings, des Who, des Small Faces, de tout ça. C'était quand même une époque. Je peux pas dire que. À Ostende, ça devait être. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à Ostende, ça devait être quelque chose. Mais je peux dire quelque chose. On peut pas voir ça à ta gueule que tu es 47 ans. Ah ouais. Non, je te jure. Je te jure sur mes deux bonbons. 49 comme toi, mon fils. Mon fils. Oui, mon fils. Ouais. Chez les Chinois, on est des buffles, hein, tu sais ça. Ah bon? C'est un truc qui est très fort. Et dis-moi, c'est quoi le film que tu as fait avec toi? J'ai bu un coup avec Yann Bucois tout à l'heure. Là. Le film Camping Cosmos, là, c'est quoi l'histoire alors? Tu fais le rôle d'un homosexuel dans ce film, non? Oui, mais j'ai pas vu le film. Ah, tu l'as pas vu? C'est quoi l'histoire? J'ai fait ce film, c'est le premier film que j'ai fait sans scénario. Ouais. Et j'ai pas lu le scénario et j'ai pas vu le film. Ouais. Donc il a demandé de jouer un homosexuel, j'ai le fait. Mais comment tu fais quand tu fais l'homosexuel? Tu fais quoi? Tu fais pas la folle, tu fais quoi pour faire l'homosexuel? Fais voir. Ouais, tu fais comme d'habitude, quoi. Oui, parce qu'on peut pas voir que je suis homosexuel. Ouais, c'est ça. Comme les vrais. Voilà, comme les vrais homosexuels. Moi, je suis un vrai homosexuel. Donc tu fais le rôle d'un homosexuel, mais tu es dit comme maintenant, quoi. Je fais comme lesbienne. Ouais. Tu connais l'Archiduc? Ouais. C'est bien? Ah, je viens de là. Parce que Yann et Noël Godin, le gloupier, m'ont dit qu'ils vont là, ouais. C'est loin d'ici, non? C'est 200 mètres. 200 mètres. En français, ça fait combien? Et à la française, ça veut dire quoi? Ton album, il s'appelle À la française. C'est pas en français, c'est à la française. Ça veut dire quoi, ça? Parce que je suis pas un francophone et quand je peux pas dire que je suis un français, que je chante en français, je chante à la française. Mais c'est une façon de prononcer les mots, c'est une façon de. C'est un phrasé différent à la française. Je dois expliquer tout le bazar, tu sais, parce que. Non, soit le temps. Non, comme ça, parce que c'est vrai que c'est bizarre comme expression. Parce que, écoute, quand je fais des chansons... Quand je fais des chansons, comme... Et quand j'écris, je... écris comme je parle. Et quand c'est en anglais, ou en flamand, ou en allemand, ou en français... C'est... Je crache mes mots. Je ne peux pas écrire comme Brel, ou comme Ferré, ou comme Brassens, ou comme Boris Vian. Peut-être Boris Vian, c'est déjà... Parce que lui, c'est un mec qui écrit des chansons à la pop art, comme Paul Vanon, Stein, et des autres mecs dans les années... Enfin... Et moi... quand je parle, c'est déjà très bizarre même pour moi quand je m'écoute. Ouais. You can wear what you want. You can be what you want. Well, do what you want. Take what you need. Do what you feel. Don't lose your breath. Don't step away to the side. Kiss the past goodbye. Don't step away to the side. Jive to the beat.
stay on your feet. Jive to the beat. Stay on your feet. The small faces, Steve Marriott. Il est mort, hein? Il est mort, Steve Marriott? Tu sais pas ça? Non, 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 je sais pas. Il est brûlé, ce mec. Ah bon? Dans son... à la maison, chez lui. Hein. On a trouvé lui dans une placard. Ah bon? Tu sais pas ça? Non. Il est mort depuis 3 ans, maintenant. C'est là? C'est là, là. C'est pas que Steve Marriott est mort. Non, mais ça me rend très triste de savoir qu'il est mort. C'est Small Faces, c'était... Humble Pie. Humble Pie. Humble Pie, oui. What the fuck is wrong with you? Ils se disputent. What the fuck is wrong with you? I think there's a problem, eh? Smile. I don't want to smile, so... Get out of my face! You're so cute, you must smile. I don't want to smile. Okay, if you have problem... Get this stuff out of my face now. You've got a problem with him? No problem. Malaka, go away. Arnaud, don't do this to me. Hey. Putain, on est tous des Européens. Ça, c'est road movie. C'est bien, road movie, urban movie, urban road movie, street movie. Allez, hop, chien. Comment ça va, les filles? Comment ça va, Yann? Ça va très bien, donc... On est allé chercher Arnaud qui allait pisser, là. À mon avis, il allait pisser. Attends, je vais voir ce qu'il fait. Je vérifie tout, moi.
Là, ce sont les vestiaires. Enfin, chacun a son petit casier. Ah, il y a des vestiaires à l'entrée. Ouais. Oui. On n'est pas obligé de se déshabiller directement. Ah, oui. Ah, mais il y a une piscine. Ah ouais, il y a une piscine. Ah, c'est magnifique. C'est très agréable. C'est beau. Elle n'est pas très grande, mais elle est très chaude. Mais... c'est magnifique. En fait, ici, tout est fait pour se sentir comme chez soi, pour être à l'aise. Oh là là, c'est bien. Et qu'est-ce que c'est là-haut? En fait, c'est une cour intérieure qui a été comblée en haut. Et à chaque étage... C'est quoi? C'est des petits lits avec des petits... Oui, il y a des pièces fermées avec juste des orifices. Alors, ah bon? Les gens peuvent... amener voir après. Oui. Là, c'est la piste de danse, la salle bar. Il y a une pièce où on peut manger, il y a des buffets. Moi, généralement, quand on arrive, comme c'est assez convivial, on arrive, tout le monde rentre un peu pour manger, parler, faire connaissance. Voilà. Il y a un buffet, un énorme buffet. Et... Mm-hmm. Ça bouge tout le temps. C'est très bien organisé, dis donc. Ouais. Et en haut, on y va comment? En fait, il y a une règle de base. Ouais. Pour pouvoir monter à l'étage, il faut se mettre en sous-vêtements. Ah ouais. En temps normal, quand il y a des gens. Et donc, les personnes qui ont envie de venir voir sans se mettre à l'aise, ne pourraient pas, ils seraient obligés de rester ici. Mais il y a énormément de choses qui se passent déjà au rez-de-chaussée. Voilà. Alors, au fur et à mesure de la soirée, aux environs des 11h, 11h30, les gens commencent à s'échauffer. Et montent petit à petit. Et l'ambiance monte, et les gens en même temps. Il y a toujours un premier couple qui monte. Alors ça, c'est les un deuxième qui suit. C'est extraordinaire. Douche, et il y a encore des casiers là. Pour se déshabiller. Il y a beaucoup de monde. Oui, quand même. Le week-end, il y a une vingtaine de couples. Le samedi, ah oui, quand même. Oui. Ouais. Oui. C'est bien ces histoires de petites niches comme ça. De petites... Oui, oui, ça permet à tout de regarder monde, sans. Ouais, d'accéder à ces fantasmes, ouais. En fait, qu'on soit voyeur ou exhibitionniste. Oui, c'est-à-dire les couples peuvent venir et se montrer, oui. Et là, il n'y a rien. Mais ce sont des appartements qui donnent là. Des appartements, c'est-à-dire Des gens qui habitent là, mais. Non. Il y a deux appartements. Oh, oui. Ça doit coûter une fortune d'habiter ici. C'est génial d'habiter là. Mais ils vont récupérer l'appartement ici, au premier, et agrandir. Faire un restaurant dedans. Oui. Mettre un jacuzzi, sauna, et faire un grand restaurant. Alors, ça, c'est la pièce à fantasmes. C'est-à-dire que par ici, l'intérieur, les gens rentrent. Alors, il y a des orifices ça pour donne regarder. À ce qu'ils veulent. Il y a des orifices pour. Pour mettre ce qu'on veut. Ouais. Pour mettre ce qu'on veut. Vous pouvez voir, là, il y a des petits trous. Des petits trous dans lesquels on peut soit regarder, soit passer ce qu'on veut. C'est très Ici, c'est pareil. Il y a généralement autant de couples à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais. C'est vraiment l'endroit où on peut avoir son fantasme à la carte, en fait. Qu'on soit voyeur, exhibitionniste, ou qu'on aime avoir des relations échangistes, ou les trois, ou celle-là devant. Il y a même une balançoire pour les amateurs. Ouais. C'était pour ceux qui veulent retomber en enfance. Alors là, il y a une petite pièce, je sais pas, un petit salon. Mmh. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de... Là, on n'est jamais allé. C'est que tout est permis, rien n'est obligatoire. Ici, c'est l'endroit des pervers. Chez avec, gynéco. Pour tous ceux qui ont raté leur vocation de médecin. Avec les étriers. Et vous avez commencé comment, alors? Bah, en fait, on a commencé à la maison. On a commencé à avoir des relations à trois avec des copines qui venaient. Au départ, tous les deux, et ensuite une fille qui... Ouais. Oui. Une amie à toi. Qui venait se rajouter. Mmh. Souvent des amis à lui. Oui. J'ai des amis assez libérés. Ouais. Ou du moins qui avaient envie de se libérer, et puis qu'au départ, ça ne connaissait pas leurs capacités. Et puis d'un coup, il a fallu mettre les trains. Donc au départ, c'est une fille qui est venue chez vous régulièrement, ouais. C'est ça? Oui. Et toi, t'as découvert que t'aimais ça, finalement? Ben oui, je me doutais pas du tout. Au début, il m'en avait parlé, et je me dis non, t'as choqué fille, la première fois qu'il t'en a parlé? Non, pas vraiment. Mais c'était pas dans mes fantasmes. Je m'étais jamais posé la question de voir si ça me plairait ou pas. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et donc, vous avez vécu comme ça, tous les trois, avec cette fille pendant On a eu une relation pendant un mois et demi.
Et puis, donc vous viviez tous les trois, en fait, elle vivait chez vous, quoi. Non, non. Elle venait deux fois par semaine. Ah, ouais. Ouais. Vous mettiez au lit tous les trois. Ouais. Oui. Et puis, on a eu d'autres copines qui sont venues plus épisodiquement. Ouais. Puis là, pour le moment, on a une copine qui revient régulièrement aussi, mais elle vient ici aussi avec nous. Ouais. Mm-hmm. Ça vous fait pas peur, quand vous avez pas peur, à un moment, de... soit pas un peu comme une dope, où il faut chaque fois des doses plus importantes, ou... Non. Non ? Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'il y a une surenchère à chaque fois dans, dans les fantasmes et dans les désirs, mais c'est pas quelque chose qui nous contraint, c'est quelque chose qui nous fait avancer, en fait. C'est un peu comme un jeu vidéo interactif dans lequel il y aurait des petits tiroirs avec des petites clés. Et chaque fois qu'on ouvre un de ces tiroirs à fantasmes, on a une petite clé qui nous permet d'ouvrir d'autres tiroirs et d'avancer dans les chemins qui nous permettent de jouer de plus en plus. Et en fait, d'empêcher la monotonie sexuelle. Ouais. C'est ça. On a peur de ça. On a peur de, d'arriver à 40 ou 50 ans en se disant on est un vieux couple, on baisse plus. Ouais. Et comme il y en a tant d'autres. Par contre, ici, on assiste dans un endroit à des vieux couples qui ont encore une vitalité sexuelle, qui ont 50, 60 ans, ouais. et qui s'amusent comme des petits fous, comme ça. Ouais. C'est assez marrant. Les gens n'auraient vraiment pas l'idée. À la vôtre. Ouais. La tienne. Tu t'appelles comment ? Muriel. Thierry. Et toi ? Fabrice. À la tienne. Believe in the one you're with, 'cause you know her tricks and you know her past. When she makes a face, you just have to laugh, and you feel like such a know-it-all when you only want just a tiny girl, and you hope she'll sing. La vie est un carnaval. Et le monde est un immense bal où nous tournons inlassablement, emportant tous un déguisement, un masque tendre où mon cœur fait mentir notre aise et notre cœur. Et nous ne nous montrons jamais à nu, et nous restons toujours des inconnus. On en dit sur moi des belles, savez-vous mesdemoiselles, comment partout l'on m'appelle dès que j'ai le dos tourné, parce que je les effare, parce que je les égare, savez-vous les noms bizarres que ces messieurs m'ont donné. Monsieur Carnaval. C'est ça. Je suis Monsieur Carnaval. Un homme qui ne me va pas si mal. Et ce soir je vous dis à Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.